c'est pas ça lié. Et pas son message ba tout moun sa yo. Jeune garçon en Haïti, le pot koba ou pour le casser maquette, pour bouler caoutchouc, prend cobla, paye l'école avec elle. Ba moun aussi a. Puis moun nan bon l'école a fa bouler caoutchouc. Prend cobla. Paye l'école avec dit nan me aussi a. Et bien l'école où ça va mon pour vous. Mais sous content, pour conversation juste, prend pas cadeau. Faire conversation juste, il y a tant de. Mais heureusement, le maximum est fait, la vie reprend, que demain, banque va l'ouvrir, et pomme gasoline commence à l'ouvrir, magasin commence à l'ouvrir timidement, market l'ouvrir, et encore une fois, je déplore le fait que j'ai une victime qui perd du job, qui perd du machine, je déplore ça en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Donc, mais, n'a pas prendre, et pour nous prendre quoi en pleine période, et c'est pas en plein été. Donc, c'est un peu dur, on est là, ferme à la barre, prêt à servir. J'ai arrêté 25 mounes. Avant hier à 1h du matin, le commissaire gouvernement était tendu pour mettre dans le dépôt. Nous processer les soins caille côté la télévision qui volait. Nous avons dans ça. Hier, nous faisons ça. Ensuite, nous avons toute image caméra. Il y a des gens qui ont interpellé après. Donc, pour nous avancer, pour nous, alors, toute maison yo, qui est victime, qui retourne la caméra, nous avons gardé pour nous voir qui a motivé, qui a passé pour nous. C'est pas une sensation. C'est pas un cadre, c'est battre tes nerfs, pas comprendre ma joie, mais ça par là-dedans. L'homme dit ça, nous ne pas comprendre ni. La grande différence entre les gens qui ont manifesté et les gens qui ont fait des ordres. Il n'y a pas de problème. Quand on a deux, trois personnes qui sont rentrées, qui sont rentrées dans le bar pour faire des ordres, voler chaînes, voler bouche, casser deux vite machines, et pas que le normal, non. Dans un pays pauvre, on peut comprendre que ça arrive. Mais là, systématiquement, ici, mon paquet de supermarchés, paquet d'hôtel, monsieur Robert, nous sommes haïtiens dans l'école, puis nous sommes dans l'école, nous pensons que ça a là un problème. Là, on a question de poser tête, non. Si ça n'a pas fait jeunesse là, là, nous finissons la victime. Si on paye jeunesse pour faire ça, petit appel, là, nous avons payé. C'est l'école qui veut dire que nous voulons le faire. L'école nous veut parce qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Mais si vous regardez bien que après que la vie a commencé à reprendre, la police a fait job li, les gens qui pour tendre, les gens qui vont être arrêtés, ils n'ont pas un choix à faire job. Et bah, la commencé à reprendre. Et que, mais ça c'est un tout, mais il faut appel à l'autre pour dire que leurs besoins font une révélation. Il y a plusieurs moyens pour faire voir passer. Des moyens qui pacifiques, qui veulent voir passer. Donc, on a travaillé d'arrache-pied, après que. C'est pas que je dis à la police pas présente, que la police présente sur plusieurs points en même temps et que côté il y a au cap là. Au cap là. Donc, il y a plusieurs points soulevés et que nous connaissons que les policiers à tous les mêmes, il y a une situation difficile. Il n'y a pas forcément de moyens. Nous avons le président prend la décision depuis avant hier pour la police à moyen. Ok, bah, le véhicule. Et pour ça, assurer que les policiers a touché à l'heure désormais, ça va vous rendre compte. Nous avons cadré les policiers pour qu'ils travaillent beaucoup mieux. Et puis, nous avons pris des mesures de sécurité pour sécuriser l'espace là, pour être garantis en paix, en sécurité par la province de Jean-Léa. En tant que citoyen, on ne peut pas décourager. Parce que le pays où on frappe. Parce que l'image pays. Parce que l'homme dit mon yo, de son station chez l'homme dit mon yo que mon frustré. Moi frustré tout. En tant que haïtien. Là c'est l'image qui a les deux pour pays. Moi frustré. Donc en tant que homme d'État haïtien, quand même, moi bon petit remords, un petit amertume parce que ça ne passera pas. Mais en comme responsable, tout le monde ne peut pas travailler. Tout le monde travaille jusqu'à présent. Tout le monde là jusqu'à présent. Solidaire au travail. Sauf si le ministre envoie, peut-être, mais vraiment en entier au boulot. Et nous en constante communication. Et démocratie à Gonja pour le fait, tant pris en nous faire dans les règles de l'art pour nous faire là. Parce que je me dis là, l'occasion en magasin, il y a au moins 50 personnes qui font des jobs. Et chaque monde a un paquet de monde qui est victime, tout qui part à l'école. Mettez ça bien en tête tout. Mettez ça bien en tête tout. L'eau boule au magasin, l'eau boule au hôtel, ou là son vieux message à touristes là. Parce que là, l'entrée en Haïti, il est parce que là, l'entrée directement dans l'économie, l'offre n'est pas bon. Nous disons tout jeune, non, pas quitter le monde dans nos copes, la boule caoutchouc encore, pas une ruche dans le magasin là, il y a beaucoup de pas de paye l'école avec le monde dans la ruche là. L'école où tu as les voix, ça fort. Les pour là bon, c'est pour là bon. Donc,
C'est ça m'a comme message. Gouvernement campé en entier, président de pied ferme, gouvernement campé là, après apprendre la sécurité. Parce que bas monde sécurité, sont ça, c'est un tos lié. Je pense que c'est une couleur. Parce que qui est, si c'est Robert, si c'est Jacques, ma bas sécurité, parce que je suis victime, parce que je suis payé. Comme je paye taxes, taxes à payer, je suis un service. Je suis obligé de faire service. Chaud mais c'est bien. Je sais pas pour dehors parce que c'est pas si c'est arrangé des situations, je sais pas. Et tout avant que vous veniez là ou tu attendais que tu aies une situation en Haïti? J'étais très peur hein, parce que c'était grave, les vols c'était annulé tout ça, nous. Maintenant, où vini déjà, ou bon message que t'as aimé adresser à tout peuple haïtien, hein, tout ça? Juste même pour peuple haïtien, un peu changer, calmer un peu, pour que la situation change, c'est tout. Volement, t'es là, me voyage depuis dimanche, volement annulé. Là, j'ai obligé de mettre son vol aujourd'hui. J'ai obligé de quitter la caille depuis 2h du matin, pour que j'ai une chance pour me participer dans le vol. Ça. Malheureusement, j'ai alors, je suis même pour le gouvernement prendre ça en charge. Parce que dans le moment, ça, c'est un moment de nous les touristes, nous apporter dans le pays. Il faut faire le nécessaire pour nous, pour nous valer dans le pays. Parce que le pays d'Haïti, c'est le pays non lié. Bon, pendant que vous là, quel message vous gagnez à l'endroit du peuple haïtien qui, dans le moment, est à dégager frustration et bon bagage que vous avez dit à peuple haïtien? Ça me t'a même dit avec peuple haïtien et me féliciter geste là, mais seulement c'est pas dans craser brisé nous capable trouver les solutions, c'est mettre tête nous ensemble, chita ensemble et puis nous qu'a fait manifestation et mais c'est pas craser brisé qu'a résoudre problème. Au contraire, c'est marche rien à faire pays à faire déficit, faire marche arrière au lieu d'avancer. Désordre de ou rentrer finalement et dans le pays. Non, parce que Haïti c'est pays, moi toujours venu. Hein? Même s'il y a des ordres, comme toujours venu à Haïti. Vous êtes informé de mauvaises nouvelles de Haïti quand même? Ah oui, c'est parce que c'est partout, hein? C'est pas que Haïti, hein? C'est partout qui gagne toutes les autres. Hein? Je suis très content parce que j'ai en Haïti pour une année. En 2002-2014, et à Fort Liberté, et nous faisons le bon travail ensemble à les jeunes de Fort Liberté pour les enfants. Vendredi, ça n'a pas de incidence, ça n'a pas impacté l'opération aéroport. C'est ça qui fait que nous avons seulement un vol vers de l'étranger, un vol vers Fort Lauderdale. Mais rapidement, tout directeur sectoriel ou directeur général, c'est philosophie par nous ça, rapidement, nous avons une cellule d'opération d'urgence constituée. Et même tout le monde est obligé d'être sur place, passer une nuit dans la vendredi à samedi, juste pour assurer et vitalité à l'aéroport. Et on nous dit que rapidement, d'ici samedi, toute bagarre était commencé à entrer dans l'ordre parce que samedi, nous-mêmes avons gagné deux extra-vols juste pour éponger backlog
backlog qui était créé vendredi parce que pas de pile vol vendredi. Donc depuis samedi, nous gagnons tout le bagage tourné normal pour nous. Nous gagnons deux extra vols et jusqu'à présent, on parle de vol. Nous gagnons samedi, dimanche, lundi. Je veux dire là, actuellement, nous gagnons deux extra vols juste pour éponger. Pas bien, nous sommes en période estivale, en période de pointe, demain de l'empile. Donc pour éponger le backlog qui était créé vendredi, suite et avec les conséquences et météo. Donc, n'a pas marché et heureusement, il y a une majorité de lignes aériennes qui mettaient de vol extra juste pour éponger le backlog qui était créé vendredi. Alors, et qui donc Jean Paléa et service immigration viennent trouver leur situation côté que les gens viennent en abondance. Et comment et service ça lié? Est-ce qu'ils ont une difficulté pour être capable de servir les gens puisque nous, les gens, ils ont massé en pile, ils ont en pile dans le service immigration? On nous dit que le service immigration est assuré bien sûr de ressources pour faire, mais étant donné que c'est des vols extra, et puis lorsque l'ingénieur n'a pas bail passager et boarding passa pour le remplir dans l'avion, donc c'est le passager atterri, l'obligé de rester dans l'immigration pour la remplir. Donc c'est ça qui ça expliqué, fil d'attente nous qui dans l'immigration. Okay. Et pour l'avion, est-ce que nous, pour le moment, recevoir toute ligne aérienne qui dit qui signe un contrat ensemble avec ANO? Tout le monde là au grand complet. Tout le monde là au grand complet. Je dis à tout le monde là au grand complet. Depuis hier, nous avons gagné 95%, mais je dis à tout le monde là au grand complet. Okay. Donc, toute ligne aérienne, nous voulons parler de American, JetBlue, toute ligne, ils ont rentré sous Peace Aéroport International Toussaint Louverture. Absolument, absolument. Nous recevons toute vol net, toute ligne aérienne net, nous recevons aujourd'hui. Là. Pour le moment, et qui vole qui rentre là? Et nous avons gagné Air Caraïbes qui est entré là, Air Canada qui est sorti Montréal, et Air Caraïbes qui est sorti Paris. Donc, nous avons gagné deux gros vols, là, deux gros porteurs là. Et qui donc, intervalle là, c'est qui était bah, le problème, non? C'était vendredi, samedi. Vendredi, parce que nous avons un seul vol, et ça veut dire que nous avons une demande qui n'est pas satisfait. Donc, dès samedi, ils ont mis deux vols additionnels, deux extra vols, juste pour faciliter mon voyage. Pour nous finir, je connais qui sont aimés ajouter autour de l'interview. Bon, ça m'a aimé ajouter et faut monsieur penser pays. Faut penser pays. Donc, Jean de Bagay, ça a eu de graves conséquences parfois dans le secteur vital pays. Ya. Et cause, conséquences, il y a plus graves par rapport à ça, mon a fait là, demain. Même après court terme. Vous parlez de monsieur, qui est-ce que vous voulez dire? Est-ce que c'est des membres de la population ou bien vous voulez adresser spécialement avec un secteur bien détaillé? Voilà, je suis ravi de partir en vacances avec Air Caraïbes. Il fait un peu chaud, mais c'est bien. Vous avez entendu parler des émeutes au cours du week-end écoulé? Absolument, j'étais au milieu. J'habite Pétionville, donc ça bougeait sérieusement. Voilà. Cette situation vous a poussé de laisser le pays? Non, pas du tout. C'était prévu depuis longtemps que je parte en vacances. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Dans quelques temps? Pardon, dans quelques temps, dans 4 semaines, quand les vacances sont passées. Bon voyage déjà. Merci beaucoup monsieur. Mais grand pile espoir pour le pays. Moi crois que nous allons avancer en avant après ça arrivé. En pile monde perdu, en pile job. Et entre les classes là dans un mois là, en pile petit monde pas calme dans le travail peut-être. Peut-être perdu job yo. Et puis je connais m'espérer. Dans ce sens là, et qui sort à remédier comme conseil à la population haïtienne? Bon, j'espère que la population haïtienne reste même gens solide, la population haïtienne reste soudée, reste fort, dans une situation difficile ça yo. Et puis, je vais retourner là. Pour quitter le pays? C'est le pays, bam. Et j'espère que le pays va le plus bon. J'espère que nous avons un bagage pour salaire minimum là, ou bien. Gaz là,
moi pressé gaz là pas qu'à 309 gouttes de ça, le minimum de 350 gouttes. Donc moi m'espérer que le gouvernement va prendre des mesures pour ranger la situation ça. Merci en plus. Nous avons recevoir justement effet sécurité de cyclone Beryl donc qui tourne connait là en tropical et li pral venir avec un pile la pluie avec un pile vent et puis ça yo pral longe gaillé dans tout pays dans différents départements parce que les avant que rivé sous nous li passer par la République voisine la République dominicaine et là li passer sous mon République dominicaine là li vinn et Jean que l'été organisé, il est désorganisé. Donc, nous avons joué en Jean donc, pour aller en appui, on tire de tous côtés dans différents départements dans le pays. Mais Haïti a toujours souvenir de la cyclone. Je vous dis, nous avons une saison cyclonique. Okay? Et le cyclone Beryl était formé comme cyclone. Heureusement, il perd du force, il perd du intensité, il tourne en tropical. Malgré ça, il peut venir avec l'appui, avec vent. Donc, menace que ça représente, parce que je n'ai pas oublié que menace cyclonique là, qui s'allie, c'est l'appui, c'est vent, c'est de l'eau qui a monté et tout dégât que différents éléments ça a causé. Donc ça veut dire que menace a toujours été réelle et je ne veux dire n'a pas subi effet Berilio, effet sacrété de Berilio et c'est pour ça que nous demandons des populations prendre toutes précautions que je vais rappeler tout à l'heure pour que justement pas un impact négatif sur eux pour que justement nous capable passer au travers de tropical ça sans trop gros dégâts. Bon l'autre tempête qui justement formée sur l'océan Atlantique là qui est le Chris mais lui-même il formé plus au nord, il formé pratiquement en face côte est des États-Unis et genre trajectoire il fait là, il pas concerné Haïti directement heureusement. Donc là tempête ça lui-même il formé, l'a monté et il pas pas effet direct sur nous. Par contre, journée jeudi en jambe dit à l'heure là, c'est reste et cyclone Beryl qui justement actuellement là a blague pile de l'eau sur République Dominicaine qui pourrait porter et de l'eau avec vent et en Haïti tout, particulièrement dans le département l'ouest, dans le département plateau central, dans le sud-est, OK, qui pourrait sentir plus effet et qui ce qui fait que dans zone qui gagne dans zone ça nous relé dans zone arisio, zone qui gagne plus possibilité pour que soit de l'eau monte, soit que y a des déboulonnements, ça les éboulements, toute zone ça yo faut yo vigilant par rapport à justement l'appui ça yo qui va commencer d'ici fin journée là. Donc Beryl là lui-même il pas représenté vraiment au danger pour nous. C'est pas Beryl qui représente le danger, c'est tout ça que c'est effet que li gagne avec lui. C'est là j'aime te dire là gain quantité gain la vie avec l'appui. Quantité l'appui pour aller libre bala ça les plus géométrie en libre variable, libre varier de un côté en l'autre, il y a des côtés qui prend plus la que l'autre et gien des côtés j'en nous connais à cause de vulnérabilité a gien des quantité là puis que la prend li ka causer dégâts li ka créer inondation li ka créer déboulonnement et éboulement donc c'est pour ça que justement que n'a demandé tout le monde vigilant parce que là connait là nous pas ka prévoir qui zone spécifiquement ka plus frapper que l'autre et ça qui li ça ka fait là intéresser tout pays hein, mais son onde tropical que lié c'est en pile là puis surtout que l'a gien donc nous pas sous menace nous pas c'est pour ça que journée aujourd'hui nous pas gien alerte nous pas au niveau alerte mais nous a demandé tout le monde prend précaution par rapport à sa cap vini là. Nous même dans la protection civile, j'en connais, pour nous là, pour nous capables justement accompagner la population et mesures qui prennent. Nous avons commencé pour nous commencé pour mesures depuis fin saison cyclonique passée. Nous faisons pile activité de formation et de renforcement pour différents équipes de protection civile dans tout niveau dans le pays, hein, que ce soit dans le département, que ce soit dans la commune. Et nous faisons pile travail de renforcement, tout. Nous faisons acquisition matériel, nous remplacer matériel que nous avons défectué, nous avons nouveau matériel pour être capable d'aborder une nouvelle saison. Et pour nous parler plus spécifiquement de Beryl et du moins de sacrété de Beryl qui peut arriver, gouvernement réuni sous ça depuis avant hier, nous étions déjà au courant que justement qu'il y a une possibilité que nous gagnions effet. Gouvernement réuni sous ça avec ministère intérieur et avec pour ouais comment n'a pas forcé protection civile là pour que justement nous capables de faire les réponses là. Et là nous avons un processus côté que nous avons organisé nous pour nous capables de gagner les ressources que nous avons besoin pour que nous capables de venir en assistance à la population. Mais ça que nous capables de dire là déjà, c'est que la protection civile, toute composante li mobilisée, li paré et toutes différentes représentations de protection civile là paré pour accompagner la population. Mais est-ce qu'il y a un COB qui dispose? Bon, gen, là, je ne veux dire, j'aime dire, et ministère intérieur a travaillé avec justement et tout le système national de gestion risque des assassins qui sous l'obédience premier ministre pour que justement vous mobiliser des fonds. Certainement, il y a un budget qui était déjà existé pour protection civile, mais là nous avons une situation spéciale côté que il y a un cyclone qui apparaît. Donc là nous sommes obligés de faire une mobilisation particulière pour ça. Nous ne pouvons pas mettre un
chiffres sous les lavenues, je dis, parce que j'aime dire, c'est des discussions qui ont fait dans un niveau supérieur au système national de gestion de l'ISA, ça, on a quitté le travail. Lorsque vous parlez et que y a banou, y a mis à disposition nous, les ça, on a communiqué par le public là, ça que nous gagnons. Au dernier mois, c'est toujours même mot, c'est mot de précaution, mot de sagesse. Premièrement, nous connaissons que depuis qu'il y a gros appui, depuis qu'il y a de l'eau qui descend, faut tout le monde prendre précaution, faut tout le monde faire attention. C'est mettre quoi qui veille quoi. Donc, faut qu'on prenne précaution, il faut pas faire tête du, premièrement. Deuxièmement, pas essayer jamais de l'eau qui descend, pas essayer passer d'un côté qui gagne que justement qui à risque et pas sortir pendant justement mauvais temps passé à moins qu'on ait vraiment une urgence qui est extrême et fixer d'autres cailles qui manquaient et rassurer donc clouer au bien couper branches bois qui baille sous caille pour que vent pas arracher pour pas casser caillou prendre papier important avec matériel important que nous gagne mettez dans sachet plastique pour pas mouiller moun qui rete dans zone côté que yo tout près ravine ou bien rivière zone qui capable inonder moun qui rete bol en mer depuis nous voit que de l'eau a commencé monter depuis nous voit que situation a commencé dégénérer la pluie a tombé grand pile vent de l'eau a long côté qu'en sécurité tant que mon vrai moment passé pour nous justement nous capable retourner la caille en sécurité. Et puis dernier bail m'a dit c'est j'aime dit là c'est mettre quoi qui veille quoi. Youn di l'autre message ça que me bail là bail li ba l'autre monde en façon pour maximum de monde qui a informé pour nous capable passer mauvais moment ça avec le moins de dégâts que possible. Côté que barricade est monté 17 hôtels dans la commune, nous prenons une décision formelle après que, depuis dimanche, nous commençons à déblayer exactement tout quartier, toute zone, de façon que vos machines capables de circuler. Et gens ont regardé là, et c'est comme ça que vraiment, qu'on y a là, il y a un espace pour machines qui ont besoin de fréquenter zone bon repos ou bien quoi de bouquin. Il y a accès pour être capable exactement fréquenter zone parce que nous campons sous deux pieds nous tout dimanche tout jeudi lundi depuis mardi jeudi mardi là nous obligés font un travail colossal pour nous comment nous capable déblayer toute commune et support nous t'ai gain CN hier qui est ensemble avec nous et puis CN fin ba nous toute backup et nous même qu'on y a là toute fatra qui dans zone là toute casse machine toute barricade qu'on a nous même nous prend décision qu'on y a là pour nous capable permettre que la circulation entre dans normal. Et c'est ça que fait que nous lançons un appel d'urgence avec tout habitant qui est dans la commune. Tout. Si toutefois que tu as un incident bon la caillou, parce que la mairie ouvert actuellement là, nous 24 sur 24, côté que nous mobilisons dans la mairie de tabac, que tout côté que tu as une difficulté, nous mettrons nous, parce que nous avons un numéro de téléphone ailleurs, nous mettrons nous pour capable venir sous les liens une façon que pour nous capable bailler toute participation par nous dans moment côté difficulté à te présenter et dans espace côté toute quartier était bloqué barricade égal pour le moment qu'on a soit regarder tout le monde capable fréquenter et commune normal parce que qu'on y a là et gain espace pour machine capable aller et quoi des bouquets Gérald Bataille et Latrier qu'on a ça nous était fait là c'est toute casse machine était boulé yo. Et puis nous battons là pour nous commencer le vieux après-midi. Le projet là, actuellement là, que nous avons cyclonique là, qui est lancé, nous avons chita en conseil pour nous voir comment que nous sommes tout côté Mounio et Fekai, zone Ravigno, nous prenons l'alerte et nous capable prendre mes précautions parce que nous avons pour nous chita exactement, et l'autre fois encore, pour nous voir un moment cyclonique là, qui prend l'établir là. Pour nous capable bailler toute participation par nous parce que nous avons un numéro de téléphone qui est disponible et spécialement quel que soit le problème qui vient dans la commune pour habitants dans la commune qui est alerté nous exactement si vous capable remarquer qu'on y a là bien courant dans la commune c'est pas pour de la mairie de tabac côté que n'a pas placé une série d'ampoules
fort pour le mon connia malgré la propreté là là côté que moi même là actuellement magistrat Nice Simon lui-même les plus haut ambassade américaine non égal ça nous diviser chaque moun yon bon n'a propreté yon bon ça est toute l'odeur qu'on voit là toute bascule nous voyons là c'est que magistrat Nice Simon lui-même li en haut que moi même en bas n'a font travail colossal et puis n'a mettez ampoule côté qui pas de ampoule qui les mène appelé meilleur. Et pas oublier que tout ce qu'a fait dans la commune, dans le moment où on a parlé là, quel que soit ça, nous fait déjà en affaire, c'est toujours la mairie, jusqu'à présent, que nous pouvons avoir l'État central qui campe ensemble avec nous de tout ce qu'a fait exactement dans la mairie. Ça veut dire que c'est propre nous-mêmes, font nous, qui permettent que nous réalisions tout ça que nous avons réalisé. Sous passer qu'on a là, exactement dans le marché, ou après marqué qu'il y a une propreté qui a fait là, ramasser Fatra. Et sous elle a l'antigène propre qu'on a là, moi c'est depuis dimanche après-midi, nous commençons à propreté commune. Là. Dernier mot que nous lançons appel à tous les habitants qui sont dans la commune. Là. Que nous avons un numéro qui est disponible, quel que soit le problème qui est la journée comme la nuit, nous prenons mettre les nous que nous sommes sur place. Parce que la commune, là, si toutefois que vous avez voté nous, nous-mêmes nous prenons toute participation par nous. Et nous avons dit et commune de tabac, jusqu'à présent, faites-nous confiance que nous sommes que nous prêts pour nous tout service une fois que l'État central accompagne nous. Dans toute demande que nous faisons, nous-mêmes, à marcher, bouler, caoutchouc dans la commune, s'il vous plaît, nous demandons, nous me levons, nous avons une chance pour nous capables de travailler de l'avant, une façon que pour toute activité capable de prendre. Son travail peut-être dans le cadre d'activité que nous avons à travers mes reports au prince. Nous baptisons Timaba Fatra, côté que nous déclarons peut-être pour nous ramasser Fatra dans tout Port-au-Prince et pour nous faire Port-au-Prince vivre. Et dans le cadre de ça, je pense que Maïsra a été arrêté pour que nous ne jetions pas jeter Fatra dans la rue. Et drôle de coïncidence, dans la même période là tout, et après incident passé, peut-être côté population a décidé et réagi par rapport à l'augmentation prix Gaza. Et il y a un paquet de débris qui était dans la rue Port-au-Prince. Et depuis hier, je pense que la mairie Port-au-Prince déclarait nous gâte à Fatra dans la rue. Côté nous avons commencé avec un propreté qui sortit sous Boudon, toujours Paco, toute zone ça pour descendre jusqu'à rue de l'enterrement. Et je dis à là, avec l'ODEA, nous avons fait les zones accessibles, les grands axes qui sortent de boulevard Jean-Jacques Dessalines pour arriver à l'aviation, y compris nous allons passer dans la zone Charron qui est un des grands fatras que côté population est maintenant dans la rue pour nous lever. C'est pour un processus que nous avons fini parce que nous-mêmes, dans Port-au-Prince actuellement là, et nous avons des matériels que Maïska a gagné, qui mettait en branle pour permettre que nous amassions tout gros fatras à travers marché ou à travers bicentenaire pour que nous continuons le processus flotte là. Mais ensuite, avec peut-être une nouvelle formule que nous avons pour ne pas jeter Fatra dans la rue, nous avons des circuits de zone côté nous opérationnels, nous passons mardi, jeudi, samedi, nous avons pour zone Fontamara, Matissan, côté nous passer les mercredis, vendredi, dimanche. Nous pensons que c'est une opération que nous avons continué jusqu'à la nouvelle ordre et jusqu'à ce que Port-au-Prince revive. Et nous pensons que nous touchons toute zone dans Port-au-Prince touchée parce que nous avons un processus dans Koujamdou, nous décantons Port-au-Prince en 11 blocs. En 11 blocs, côté que nous avons décidé, nous mettons un camion par bloc qui travaille mardi, jeudi, samedi, 10-11 camions qui font les blocs et il y a 4 camions qui font d'autres blocs mais zone Matissan au Takojando mercredi, vendredi, dimanche. Port-au-Prince avec sur population qui vient gagner journée jodi a et c'est pas tout le monde qui a comprendre mentalité et dynamisme question Fatra et son travail peut-être c'est pas seulement mairie pour ta faire li mandé ministère environnement li mandé gon pile plaidoyer pour ta faire sous li pour permettre que nous conscientiser peuple là pour que nous tourner à travers Port-au-Prince d'antan mais nous pensons que au fur et à mesure que n'a pas avancé me pense population a fini par comprendre tant que même j'en arrivé là n'a nettoyé là, base moto ça, monsieur dit au content, c'est la première fois, on l'a plus fin tomber, on bat et qu'on s'est fait, et puis nous venons aussi rapide que n'a fait volume propre, ça, je pense que c'est bien. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la mairie Port-au-Prince a très avancé, et grâce à président Jovenel qui a fait un cadeau, 4 camions, deux compressifs, 2 camions, on bat l'odeur, et ensuite avec la mairie Port-au-Prince qui fait acquisition, plusieurs camions, et je pense que il y a sous de l'eau, que il y a des amis, partenaires, l'autre bord qui a fait nos cadeaux, je pense que très bientôt, on a aussi une quantité de matériel qui est possible, qui va permettre que nous répondre à certains obligations. En termes de fatra, en termes de déchets dans Port-au-Prince. Je m'a demandé à la population de Port-au-Prince. Si un gros message m'a lancé, c'est même message maïska qui toujours lancé. C'est on ne pas jeter Fatra dans la rue, on conserve Fatra nous, les camions passent pour nous bailler. Et dans le niveau marché, peut-être je pense que à tout directeur marché, à tout le monde qui peut-être conscientisé à travers peut-être pays pour nous elle belle, je pense que c'est arrivé. Kembe, on Port-au-Prince propre, Kembe, Fatra pour nous aider Mairie, pour nous aider communes propres. Et je pense que dernier bagage, je m'a demandé à toute la presse, à tout le monde qui est dans le pays, à gouvernement central, à ministère de l'environnement, à CR.
cerné à SMCRS pour que bataille là, li bon bataille mairie Port-au-Prince, li son bataille entité d'État parce que peuple a voté, li voté c'est pour Port-au-Prince propre et maïsraï ou voulait pour Port-au-Prince revivre. Et me pense que nous même à travers Timabafatra et dans mairie Port-au-Prince avec voix Port-au-Prince n'a privé combattre jusqu'au bout.